Yo, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, quatrième vidéo d'affilée, je peux vous dire que vous avez de la chance de voir que mon visage et pas pouvoir me sentir parce qu'actuellement je sens la sueur comme pas possible. Petit détail agréable de début de vidéo. Et donc aujourd'hui, vous savez, les Tots sont sortis et je sais que ça vous fait trépigner d'impatience, vous aimez voir les Tots et je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire une draft 100% Tots? Alors je suppose que non, parce que bon, faut avoir une chance de baiser. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y aurait la possibilité de le faire? Combien de Tots maximum on pourrait avoir dans une draft? Donc voilà, c'est parti, draft challenge, je sais que vous les aimez bien. Petit challenge d'aujourd'hui. Combien de Tots je peux avoir? Combien de Tots vous pouvez avoir si vous voulez tenter des drafts? Tentez-les et essayez d'avoir le maximum de Tots dans votre draft. Et ensuite, vous m'envoyez vos photos de vos drafts sur Twitter, Snapchat, etc. Lien en description. Et ensuite, on va comparer tout ça. En tout cas, moi, je vais tenter le défi une seule fois, comme d'habitude. Voilà, comme ça. Je suis un peu l'initiateur du concept. Donc, c'est parti pour un draft challenge. J'espère que ça vous plaira. Si ça te plaît, pose un like parce que les likes, ça fait la diff. Et en tout cas, on est parti pour essayer d'avoir un max de Tots dans cette draft. Ok, donc niveau compo, voilà. MDC, MC. Faut trouver un truc avec les deux. Je sais pas s'il y a. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de MDC, notamment Dembélé, notamment, voilà, donc j'aimerais bien MC, MDC. Malheureusement, il n'y a pas, donc on va plutôt prendre compo avec MDC, MOC. Et pas forcément délié, parce qu'il n'y a pas forcément, allez, s'il y a un petit délié pour essayer d'avoir le petit 15-6 promesse, on va partir sur cette compo, le 4-2-3-1 est tiré. Oh, le capitaine! Directement! Un Tots en capitaine, promesse ou Kanté. Et je vais pas vous mentir, on va prendre Kanté parce qu'on risque pas de l'avoir dans la Tots. Donc c'est parti les mecs, le petit N'Golo Kanté. Allez, le BU, on espère un Tots les mecs. C'est parti, il y a McCormack, il y en a pas mal. Allez, c'est parti, un Tots en BU. Non, allez, pas de Tots. Donc on va prendre le petit Pierre-Emerick Aubameyang. Non, on va prendre Benzema, voilà. Non, oh, je sais pas, Aubameyang, allez, c'est parti. Allez, milieu droit, le promesse. Belarabi, c'est pas grave, on va prendre Kitarian pour le collectif avec Aubameyang. Allez, encore, le MOC, il y a du beau monde aussi en Tots. Allez, un petit Tots. Non, encore une fois, on va prendre un Mesut Ozil. Ouais, ça a le collectif. Ou alors un De Bruyne ou un Ozil, on va partir sur un De Bruyne. Allez, c'est parti. Ensuite, milieu gauche, un Tots aussi, ce serait sympa. Un petit Tots, allez, salut, c'est moi. Non, pas de Tots, donc ce sera Eriksen. On continue, MDC. Alors là, il y a moyen d'avoir un petit Tots sympathique. Pas du tout, cordialement. Alors, on va essayer, voilà, Morgan Schneiderlin. Quel collectif comme ça? Pas du tout. Allez, Momo. On met Momo, défense centrale, il y a pas mal de Tots aussi. Et bah toujours pas. Comme quoi le mec sent quelque chose quand même. Le mec sent les Tots arriver quoi. Allez, encore une fois, nouveau défenseur central. Ce sera Otamendi peut-être. Otamendi, ça a du collectif, c'est parfait. Défenseur droit, il n'y a pas forcément de Tots en défenseur droit. Je pense qu'on aura pas mal dans les remplaçants. Tac, ok, il n'y en a pas forcément. On va prendre Trippier. Allez, défenseur gauche les mecs. Défenseur gauche, et il nous faudrait un joueur de Barclay Première Ligue. Et il n'y en a pas, donc on va prendre n'importe qui. On s'en fout, de toute façon il jouera sûrement pas. Et on va prendre, allez tiens, toi t'as des belles stats. Gardien, peut-être le petit Alphonse Areola. Non, pas de Alphonse Areola, toujours pas. Le jeu nous tient tête, comme vous l'aurez remarqué. Allez, on passe au remplaçant, c'est parti les mecs, remplaçant. Ok. Petr Cech, on enchaîne, pas de prise de tête. Ok, t'es pas Tots, qui est-ce qu'on pourrait prendre? Défenseur gauche, ce serait bien d'avoir de la Barclay ou de la Bundes. Il y a lui, mais il est pas de Bundes, mais il est pas de Barclay, c'est pas grave, on continue, on enchaîne. Oui, Veltman, yes, un Tots qu'on va s'empresser de mettre, hein, on verra ensuite pour le collectif, comme ça sera plus facile visuellement. Allez, on continue, encore une fois, on a deux Tots pour l'instant, deux Tots. Qui dit mieux que deux Tots? Alors toi, tu joues, ok, t'aurais du collectif, c'est sympathique. Toi, t'aurais pas de collectif, c'est pas sympathique. On va partir sur un petit Thiago Alcantara, je pense. Allez, un petit troisième Tots, ça ferait plaisir. Oui, un Tots, encore une fois, Pizarro en MDC, yes. Allez, on va le mettre aussi, hein, voilà, comme je vous l'ai dit. Pour une question de visibilité, voilà, je l'ai mis défenseur, on s'en fout, c'est juste pour Bébert. Non, Bébert ne veut pas dire voir, allez, c'est pas grave. Oh non. Promesse, il est Tots, pourquoi vous me le filez en normal? On va pas le prendre, hein, parce qu'on risquerait de passer à côté d'un Tots, hein, si on le prendrait. Donc on va prendre Diabiani par exemple. Allez, on continue, un petit Tots. Ouh, j'y ai cru avec le petit Arturo Vidal. On va prendre le petit Vidal, parce que voilà, on a du Thiago, on a du Vidal. Ça fait zizir. On continue, un Tots.
un tot. Non, on va prendre le petit Tanan, tiens. Je vais me dire pourquoi. Parce que c'est un joueur qu'en ce moment on voit pas mal et j'ai envie de prendre. Allez, on continue. Oui. Oh non, mais non, sincèrement, sans déconner, les mecs. Sans déconner, on va prendre le petit. Peut-être Marco Reus. Marco Reus, c'est pas mal. Ou alors le bel Arabi. Non, on va prendre le Marco Reus. Qu'on pourra mettre à la place du petit Eriksen, juste ici. Voilà, on a quand même l'attaque du Borussia Dortmund hein, dans cette draft. Je dis ça, je dis rien. Allez, un petit Tots. Non, toujours pas. Ok, ils sont pas décidés. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise lui, non. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah, Bale, histoire pour avoir une grosse note de général. On continue. Heung-Minson, voilà. As-tu sonné? Non. Oui, Heung-Minson, c'est pas mal, c'est sympathique. On va prendre Vertonghen, tiens. Et allez, c'est parti, dernier joueur. Et bah, non. Donc voilà les mecs, c'est tout ce que j'ai pu faire moi de mon côté pour ce draft challenge. Vous le voyez ici, je vais les mettre, on va dire, je vais essayer de les mettre de façon à bien les voir au centre de l'écran. Voilà, je vais les mettre au trio là. C'est le mieux que j'ai pu faire. 3 joueurs TOTS. Je suis certain qu'il est possible de faire mieux parce que moi j'ai... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, ok. Bah écoute, je m'en bats les couilles, on va prendre ça. Laisse-moi tranquille frère. Alors, qu'est-ce que c'est encore? Oui, d'accord, on s'en fout, hein. Juste montrez la draft s'il vous plaît. Je m'en fous, rien à branler. Voilà, merci. Donc je suis sûr que c'est... Arrêtez, vraiment, ça en devient gênant. Je suis sûr que c'est mieux que de faire 3. Voilà, je pense que vous pouvez faire mieux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos images, etc. pour essayer de battre ce nombre de 3. 3 joueurs TOTS dans cette draft. Vraiment, c'est possible de faire mieux. Parce que sincèrement, je suis sûr qu'il y a moyen de taper du 4-5. Et peut-être, pourquoi pas, une full TOTS, je ne sais pas. En tout cas, les mecs, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser un petit like. J'attends vraiment vos réponses pour essayer de faire par la suite un petit top 5, top 10 de vos meilleures réponses. Hein, voilà, pour essayer de classer ça et de faire vos top 5 des meilleurs drafts TOTS. En tout cas, voilà, essayez aussi d'avoir un petit peu de collectif avec vos TOTS. Là, voilà, je vous l'ai fait grossièrement, mais on pourrait faire un truc avec beaucoup plus de collectif. Mais c'était pour vous montrer le challenge. J'espère que vous le releverez. Dans les commentaires, n'hésitez pas à rien faire, à dire bonjour dans les commentaires. Voilà, c'était Joe. Bye, double bye, ça fait plaisir. Ciao. Je dis beaucoup trop au revoir dans cette vidéo, c'est pas grave. Allez, au revoir. Au revoir. Hey, hey.